Alors, ce matin, nous voilà partis au marché à Tagounit en compagnie de Fred et Yann, ainsi que de Ali et Noëlla. Nous allons nous ravitailler en fruits et légumes. C'est pour une quoi là? Le sabot noir. C'est pour faire quoi ça? Le savon noir, c'est pour se laver. C'est pour. Non, c'est pour se laver parce qu'elle s'est pas beaucoup mal lavée. Elle a, tu sais, la van life, elle a connu un peu. D'accord. Je crois que c'était pour mettre la graisse pour ton vélo, quoi. Sur ta chaîne à vélo. Merci beaucoup. On va en prendre plus que ça. T'en fous. Oui, elle est de passage, je te vois, c'est pas grave. C'est ouvert. Alors, t'as mangé quoi? Du mouchoir? T'as rien mangé? Ce soir-là, Hassan et Ali nous ont préparé une petite surprise en apéro. Ils nous ont fait des super brochettes et ensuite un bon couscous. Merci encore à eux. Avec la sauce. Is there a bit of harissa? Chouya? Chouya, chouya. Ah voilà, tu te le mets sous le menton là, comme ça. Là. Bon silence dans la salle. Là. Suspense. Et pour terminer la soirée, nous avons regardé avec notre vidéoprojecteur que nos enfants nous ont offert le film de Laurence d'Arabie que nous a fourni Yann. Merci. Bonjour tout le monde. Alors ce matin,
ce matin, nous allons quitter Emamit, le bivouac où on est depuis 3-4 nuits. Et on va essayer, je dis bien essayer, d'aller par, pas par la route, on va essayer d'aller de Emamit en passant par la source sacrée et aller à Fumsgid. C'est un peu du sable. Alors on va essayer de faire ça. Certains nous disent pas de problème, d'autres qui nous disent il y a une partie un peu beaucoup sablonneuse. On verra bien. Donc je vais essayer de vous faire voir sur la carte. Voilà, on est ici. Emamit, à la limite donc d'un petit désert là. Et on va faire ça. La source sacrée. Là on va longer les montagnes parce que si on s'enfonce de trop, c'est vraiment. Je crois que c'est vraiment du mou. Et hop. Et Fumsgid. Alors ceux qui connaissent, eh ben, ils peuvent me dire si ça va le faire ou pas. Et puis il y a quand même 140 km pour faire cette portion-là. Hein. Toute cette partie-là, apparemment, elle est très sablonneuse. Enfin bon, on verra. Comme ils disent ici, Inch'Allah. On se prépare tout doucement. Il est 8h. On aurait même dû partir avant. Hein. Normalement, quand tu fais un peu du sable, t'attends pas qu'il soit chaud pour partir dedans. Mais on est au mois de janvier, ça caille un peu. Donc je me dis, mais si j'avais dit à Valérie, ben en plus, il faut se lever à 6h, partir à 6h30, juste au lever du soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, on va essayer. On verra bien. De toute façon, on va filmer. Hein. Pensez bien. Et donc, et ben, à tout à l'heure pour les prochaines aventures. C'est parti. Bon, allez, ça y est, c'est parti. On prend direction Iriki, lac sacré, Shigaga. Et à partir de là, Inch'Allah, la route va s'arrêter. Et ça va être du sable. N'est-ce pas, madame Dibrowski? I'm so happy. Bon, allez, je vous fais voir. Ben, il y a, je pense, une école encore, hein, parce qu'il y a de des couleurs. Et voilà, nous partons là, face à l'inconnu. Youpi! Allez, à plus. Bisous. Moi, je ne fais pas de copilote mieux que ça, hein, parce que c'est possible. Moyen, faut pas compter sur moi vraiment. D'accord. Bah ouais, parce que bon, j'aurais pas fait. Tu le sais.
Bon, voilà, on vient de faire une petite dizaine de kilomètres. Je pense pardon, qu'on a passé donc l'endroit qui devrait être un peu plus difficile. Quoi qu'il n'y a pas eu de grosses difficultés. Hein. Mais bon, tant mieux. Parce que Valérie... voilà. Il y a Valérie qui m'appelle, à mon avis. Alors, comment vous dites ? J'espère que l'ordinateur, il est résistant au choc, parce qu'il était là. Il était là ? Ouais, il était là. Parce qu'il était où, normalement ? Là-bas. Et il était là, il est arrivé... Ah ! Oui, ben, bah, vaut mieux. C'est pas mieux, hein ? Ouais, c'est vrai que... Des fois, il y a un peu des secousses. Tout, hein. Ouais, mais Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Voilà, il faut le mettre, en fait, il faut le mettre dans mon truc là-bas, dans mon pull, et le laisser partir, quoi. Ça, c'est ma doudoune à moi. Regarde mon merdier, hein. Bon, il y a un peu des épices qui sont. Ah là là, je te jure. Ah, c'est les secousses, hein. Ouais, là, c'est normal. Voilà, pour l'instant. Bah, tout va bien. Hein. Ouais, c'est vrai, on n'a pas joué dans les dunes. Hein. On a joué que dans du sable pour l'instant. Et puis, on n'ira pas dans les dunes. Moi, j'espère, c'est si lourd. Non, dans les dunes, il n'est pas fait pour ça, mon 4x4. Hein. Mais pour l'instant, dans le sable, franchement, passe bien. Hein. Nickel. Hein. Moi, je n'ai pas mis content, moi. Je suis plutôt content. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse, je vais aller aider Val à ranger un peu le bazar. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors là, c'est pas la dune de chez Gaga, c'est le erg de chez Gaga. Erg, ça veut dire désert rocailleux. Envie des ch'treux. Hein ? J'ai quoi comme route tu choisis ? Hein ? Ouais. Tu sais pas laquelle tu choisis là, tellement il y en a. Pourries aussi les unes que les autres. En fait, c'est la piste qui te rend gaga, c'est pour ça. C'est complètement chez Gaga. Il y a les pompiers derrière nous. Ah, mais c'est les jeunes là. Ils font, dis donc. Oh putain, il va me doubler lui. On arrive par là, hein. On aurait pu arriver plutôt par là-bas en bas, ça aurait été mieux. Hein. Oh, monsieur l'a dit, ça passe là. Oh, ça se voit pas comme ça, mais c'est un peu haut. Oh putain. Oh putain. C'est passé. C'était cool, hein. Ah non, c'est pas cool. Moi, je descends à pied, c'est mieux. Cette petite descente. Oh, mais c'est bien comme ça, ça fait un joli rush. Voilà, mais moi, je préfère autant parce que je suis sûr que dedans, j'aurais hurlé. Mais si. Ça a duré 10 secondes. Mais soit l'élastique, soit parachute, ça dure pas longtemps le moment où tu sautes. Et pourtant, c'est le moment où on a peur, hein. Donc, c'est bon, hein. Allez, c'est reparti. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette merdasse ? On nous avait dit juste au début, hein. Bon, maintenant on n'a pas serré la montagne, hein. On est loin de la montagne, alors j'espère qu'on n'est pas en train de faire des boulettes, hein. Eh oui. Et là-bas, il y a des gens. Peut-être qu'ils attendent qu'on s'enlise. Tu vas t'arrêter là ou tu vas monter ? Je sais pas. Moi non plus. J'allais leur dire bonjour. Voilà.
On arrive donc sur un plateau. Et là, au milieu de, on peut dire un peu de nulle part, quoi, on trouve deux dames à côté d'un puits qui lavent leur linge. Et Val a leur acheté, je sais pas quoi, une espèce de gris-gris. T'as acheté quoi? Alors, t'as acheté le gris-gris? D'accord. 15 dirhams? Oui. 1,50€. Ouais, voilà. Ça vaut pas bien plus, mais bon, voilà. On leur a dit bonjour. Voilà. Ça fait plaisir? Mais là, elle, tu lui dis l'akiriki, elle comprend pas, hein. Ah, lac sacré, pareil. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste dans le trou, là, ou on s'en va ailleurs? On sait pas. Bon, on va bien voir. Allez, on continue. Elle a failli aller tout droit sur chez Gaga. Et puis, heureusement, elle est passée une voiture. Mon mari l'a demandé, et comme sa petite femme elle a pas envie d'aller dans les dunes, on a récupéré la piste pour l'oasis sacré et le lac Yeriki. Mon ami. Voilà. Un peu, je sais pas quand est-ce qu'on va arriver à l'oasis sacré, bientôt j'espère, pour faire une pause manger. Mais il n'y a pas fou là. En plus là, on a récupéré les montagnes de Papy Thierry, parce que quand on allait sur chez Gaga, ben, on s'éloignait des montagnes. Et je me rappelle que Bobby Thierry l'a dit, tu gardes les montagnes. Alors bon, nous gardons les montagnes. Allez, zou. Tiens, il y a un troupeau là de piquettes. T'as vu? Une petite piquette. Je ne sais pas si on les verra parce qu'on est secoué comme c'est pas permis, mais il y a des petites piquettes. Maintenant, il y a des petits arbres aussi un peu. Bon, on est toujours sur la piste caillouteuse du lac sacré. Et là, Valérie, elle a voulu prendre en photo des biquettes. Bon, ma foi, pourquoi pas. Valérie et ses biquettes. Bon, on est un peu... Il y a un désert de cailleux, hein. C'est ce que je te dis. On va pas revenir sur nos pas pour prendre l'autre, si. Non. On va faire ça. Ah non, maintenant que c'est la nuit. Ah non, on s'est trompé là à l'intersection. On aurait dû prendre à gauche et pas à droite. Mais là, il n'y a pas de pour récupérer là-bas. Donc celle-là, elle y retourne, mais elle fait un grand crochet. Et elle est près de la montagne, ce qu'on ne devait pas faire non plus. Il est 20h16. Alors, on s'est trompé. Et on monte toujours.
Toujours, c'est trompé une fois, c'est trompé deux fois, c'est trompé trop longtemps. Dans le désert. Trompé dans le désert. Depuis trop longtemps. Demande à qui ça sert. Bah voilà, c'est fatigant. Allez. Pas de filmer avec l'autre caméra, mais on a trouvé un petit qui est venu nous chercher parce qu'on avait tout arrêté au bord d'une piste pleine de cailloux. Il est venu nous chercher en nous disant Irikie, je sais plus où on est, enfin le truc où on doit aller, qu'il n'y a même pas d'eau, qu'on se tape le coquillard. Et ben on y va quand même, grâce à encore une brelle qui est arrivée sur nous de je ne sais où, qui nous a sorti des montagnes quand même, parce que c'est un peu la merde. Et puis voilà, bon, allez, on verra plus tard. Hein.